Bon, bah, aucun problème, on va oublier, du coup. Je pense qu'il faut aller par là-bas. J'ai pas envie. Ça a fait un cric. Il y a quelque chose qui a fait cric. Là, là, sur certains, il y a des gens qui m'attendent. Alors, je vais essayer de comprendre, petit 1, où je suis. Est-ce qu'il faut faire? Ah, déjà, on va aller dans cette pièce. On va attendre que tout le monde rentre. Et je vais fermer la porte. Voilà. Bingo! Les deux pièces sont connectées. Kara vient de se prendre la max. Ouch! Là, c'est moi qui me prends la max. Le maximum de dégâts. Et là, évidemment, tout le monde est sûr, et l'ami, Kara. Du coup, eh ben, il faut le tuer en prio. Non, mais vraiment là? C'est bon? C'est bon? Kara. Ferme la porte. Fermer les portes, ça va être le... Ah, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux. Il y a des choses qui peuvent être détruites. Et ça explique pourquoi j'ai trouvé des drops avec des objets cassés. Très très bien. Très 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 bien. Et ben, une bonne chose de comprise. C'est déjà pas mal. Là, il y a un tonneau. Je vais essayer d'y aller en douceur quand même. Donc, des ennemis qui étaient ici. Cette pièce. Et ça rejoint cette pièce. Cette pièce-là est rejoint ici. Il y a un long couloir, il y a une pièce ici. Ok. 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 J'essaye de faire un plan et en même temps de réfléchir à une stratégie et c'est pas facile de faire les deux en même temps. J'ai vu une ombre. Là, 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 je les ai vus. Est-ce que si je ferme la porte? Oh! Je suis un génie. Est-ce que je suis un turbo génie? Surtout que là, ils sont trois. Ils sont trois et je suis un génie. Merde, il y en a un qui vient. Il y en a un qui vient. Je vais essayer d'en attirer un. Maintenant, fermage de porte. Surtout, alors Elané qui ne fait absolument rien du tout. Ça me gonfle. Allez, revenez là. Elané, tu fais rien, tu me gonfles, sache-le. Bon, là, il va me dire qu'il y a des ennemis qui sont trop près, évidemment. Du coup, on va se éloigner un petit peu. Ah oui, donc il faut s'éloigner bien, bien, bien là. Et l'année, je pense que c'est bien gentil d'avoir de la capacité de se transformer en animaux. Mais quand même, il faut pas se foutre de moi. Faut quand même que t'attaques. T'attaques une fois sur 14. C'est pas beaucoup, tu en conviendras, l'année. Hop là, fermez la porte. Hop là, et on attaque. Kara, elle est loin, elle fait ses sorts, ok.
Bien joué, Kara. Ah bah là, là j'ouvre la porte et puis go. Oups. Il est où? Il est là. Il est là. Je vais attendre qu'il se ramène. C'est bon. Alors là, je vais essayer de bien le viser. Kara, petit sort, s'il te plaît. Merci. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Hors de question que tu la touches. Merci. Tiens. Il y en avait un, et je l'avais pas vu. Bien, bien joué. Il y en avait deux même, et je les avais pas vus. Et un. Ah non. Kara. Esquive. Moi. Il y en a trois. Il y en a trois autres là. Quel gars, surtout bouge pas ton cul, hein. Que quelqu'un me protège. Menons l'attaque. Que quelqu'un me protège. Je peux le faire. Que quelqu'un me protège. Enfin un peu d'action. Que quelqu'un me protège. Que quelqu'un me protège. À l'attaque. Ah, et c'est quand vous voulez, les gars, sachez-le, hein. Il y a que... Mais il y a que Kara qui faisait des sorts. Il était bizarre ce combat. Il était même très étrange. Il était très très étrange. Bon. Voyons voir ses restes. J'ai pas vu ce que c'était. Des pièces d'or. On va rentrer dans cette salle. Et... se mettre à couvert quelques instants. Bon. Ce que je pense, c'est que j'ai dû attirer des brutes qui étaient dans cette partie-là. Donc, normalement, cette partie-là devrait être cleared et il y a cette zone-là à faire. Où est-ce qu'ils sont cachés ? Voilà, histoire d'être sûr et certain. Alors, gros coffre. Gros coffre, très bien. Ça devait être une chambre. Et il semblerait qu'il y ait au moins deux personnes. Des amorçages. Il me manque un point dans le désamorçage de piège. C'est quand même fou. Trousse à piège, aventurine. Oh, aventurine. Oh, très très bien. Eh bien, beaucoup de choses. Je vais prendre toutes les aventurines. Beaucoup d'aventurines, en effet. Je suppose que par ici, il y a des gens. Là, il doit y avoir des gens. Et là aussi. Au moins encore deux groupes de 3 ou 4. Non mais les gars, vous êtes pas du tout. Ouais, vous êtes pas du tout caché. Allez l'année, vas-y, montre-moi tes. Je vais te frapper. Et un. Non. Ah, mais... Oh, il y en a plus. Et je le savais, je m'en doutais tellement. Heureusement que tous les bâtons que j'ai droppés servent à quelque chose dans cette zone. Non mais... Oh là là... Allez, attaque-le! Attaquez-le, les... Ok.
Quel gare je vais te frapper, Quel gare je vais te frapper, tu le sais que je vais te frapper. Oh, contrôler tous ces personnages, c'est compliqué, mais ça va. Où j'en suis au niveau de mes bâtons, ça va, je m'en sors bien. J'ai un bâton de gel infini, ce qui est déjà pas mal. Il y a encore des ennemis proches, au secours. Ah, excusez-moi, non, j'ai dit repos. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Très bien. Je pense que j'ai bien fait d'avoir retrié un petit peu tout mon inventaire juste avant de commencer cette aventure. Bon. Là, il y a des gens. Il y a une personne qui est sortie, évidemment. Il y a la porte. Et la porte. Kara vient de détruire la porte. Bon, bah, la porte est détruite, autant y aller, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a absolument Kepwick, que dalle, Podzob. On a une porte cachée, ce qui veut dire qu'il y a plus que prévu. Ah oui. Ouais, mais on a surtout ici, et je pense qu'il y a... Il y a des gens, fermons la porte. Il y a des gens, fermons la porte. Ils viennent. J'ouvre la route. Oh non. L'ennemi est proche. Oh, alors toi, je vais te frapper. Toi, je vais te frapper, tu le sais. Oh là là, et l'année qui sert à rien. Et l'année qui ne sert littéralement à plus rien. Et l'année, merci beaucoup. Alors que il se passe des choses sur mon écran, vous le voyez. Allez. Toi, maintenant. Mais elle est morte. Je le savais, je l'ai vu, et puis c'est la faute de l'année. C'est la faute de l'année. Et l'année, elle a fait n'importe quoi. Elle est restée bloquée dans son coin en forme d'ours et puis... Oh non, je suis loin. Oh non, je suis trop loin. Oh non. Ah non, non, ça va. Non, en fait, ça va. Excusez-moi. J'ai eu peur un moment. Ok, donc là, on sait qu'il y a une porte. Là, on sait qu'il y a des ennemis qui se trouvent ici. Qui vont sortir, je pense, à un moment. Là, il y a des ennemis, il y en a trois, voilà. Je vais me mettre devant, je vais me faire agresser. Et on va attendre qu'ils sortent. Je me charge de lui. Voilà. Toi, donc. Les gars. Ouch, elle s'est pris une claque. Kara qui vient de se prendre une claquasse. Kara. Qu'est-ce qui se passe? Kara, qu'est-ce qui se passe? Bah Kara, tu bouges pas ton boule. C'est que tu m'ennuies, Kara. Tu m'ennuies fortement. À te faire attaquer comme ça par tout le monde, c'est perturbant, Kara. C'est même très ennuyant, Kara, tu le sais en plus. C'est bon, ils me suivent tous là? Bon. Donc, je disais, ici, il doit y en avoir encore un ou deux. Normalement, il n'y a plus personne. Là, il y a une porte. On est tous d'accord là-dessus. Ensuite, on va tous retourner là-bas.
Et là, par contre, il y a du monde. Donc, s'il vous plaît, messieurs, dames, on va déjà refermer cette porte. On recule. Et maintenant, on attaque. Allez, la brute, là, elle est bientôt maîtrisée. Parfait. Deuxième brute. Deuxième brute. Deuxième brute. Deuxième brute, j'ai dit. Voilà, deuxième brute maîtrisée. Il y en a un autre. Il y a une autre brute qui va être maîtrisée bientôt. On vérifie que tout est ok partout. Tout est ok partout. La brute là, elle va être maîtrisée. Elle ne se doute même pas que nous sommes ici. Kelgar, c'est quand tu veux. Kelgar, merci. Kelgar, merci de montrer que t'es là. Putain, et même la brute, elle est au bout de sa vie. La brute, elle est au bout de sa vie. La brute, j'aimerais. Alors. Kelgar, quand tu veux. Merci. Cette brute agit très très bizarrement. Alors, un râtelier d'armes. Qu'est-ce qu'on a ici? Une épée courte. Je prends. Épée courte, voyons voir. Alors, cette hache de lancer, ce sera pour quel gars? L'épée courte, elle est où? C'est pas toi qui as mon épée courte. Personne n'a mon épée courte. Personne n'a d'épée courte. Comment ça se fait? Bon, je la retrouverai de toute façon, je pense. Bon. C'est bon, tout ça est cleared. Maintenant, on va s'attaquer à la porte qui est juste là. Une partie de plaisir en perspective. C'est bon. C'est bon. Oh, bah, une, deux. Deux brutes. Deux brutes. Trois brutes, ok. La trahison se met toujours au prix fort. Oh, Moira, elle est où? Elle est là. Et le prix que tu devras payer est plutôt élevé, crois-moi. Emmenez-le avec nous, j'ai besoin de réponses avant de lui arracher la langue. Il vient avec moi. C'est donc toi qui causes tous ces problèmes. Je pensais que ces rumeurs au sujet d'un membre compétent de la garde n'étaient destinées qu'à effrayer mes hommes. Ça fait une éternité que j'ai tué personne au combat et je le regrette. Heureusement, te voilà une... Non, n'hésitez pas. Ok. Ok, c'est la bagarre. C'est la turbo bagarre, les gars. Alors, faites pas les cons. C'est même la très très grosse, c'est la très très grosse bagarre. Je suis paumé, je suis vraiment paumé. Alors là, je suis paumé de ouf, c'est bon. On est en train de battre tout le monde là. Ok, c'est Moira. Moira, alors là par contre, Moira, elle va prendre tous mes sorts, tous mes bâtons, tout le monde. Elle va prendre tout. Moira aimée, attaque! Brandy Black, enfin! Baguette de foudre sur Moira. Bouge pas. Pourquoi mon personnage fait n'importe quoi? Mon personnage fait n'importe quoi. Pourquoi Moira ne prend aucun dégât? Comment ça se fait que Kelgar est mort? Mais... Attendez, elle prend pas de dégâts? Elle prend aucun dégât? Alors, Moira ne prend aucun dégât.
charger la partie. J'ai un problème. Ce boss ne prend aucun dégât. Bien, alors je vais expliquer quelques trucs pendant que le combat se relance. J'ai fait une petite modification. Il se trouve que j'ai un peu regardé les choses, ce qui se passe quand. Ce qui se passe quand on combat Mora. Il se trouve que Mora est une combattante assez résistante. Du coup, ce qui se passe, c'est que je suis obligé, pour des raisons raisonnables, parce qu'il y a absolument zéro moyen, vous voyez sa barre de vie est là, ça ne bouge pas. C'est un boss qui est extrêmement compliqué. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai mis, après quelques grosses douleurs, pour trouver la commande. J'ai mis la commande de Trish pour avoir mon personnage principal uniquement qui soit en DM God. Ce qui littéralement correspond à un God Mode. Parce que, à moins de grinder comme un gros con, c'est impossible de battre Moira. Et j'en profitais aussi un peu partout pour la combattre. Sachant que j'aimerais que tout se passe bien et que cette conne ne meure pas. Et cette conne là non plus. Donc ça risque d'être vraiment super long et chiant. Au pire, s'il y a 3 morts, je m'en fous, mais moi je veux la suite. Ah bah voilà un truc bien. Moi je continue hein. Ça lui met des dégâts ce sort. C'est très bien. Il n'y a qu'un seul sort qui marche, j'en profite. Bientôt morte. Eh bah ben, salaud, c'est pas trop tôt. Bon. Je peux le faire. Est-ce que Khelgar. Bon non. Ah, ok. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ils sont juste au moment au combat, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ils sont tous là. Bon, et eh bah ben, ça aurait été compliqué. Mais c'est tout bon. Oh là là, c'est tout bon. Donc du coup, on va enlever tout ça. Alors, il y a du bordel. Je vous invite à ne pas tout voir pendant que je remets le jeu tel qu'il est. Non, j'ai dit debug mode 0. Vous voyez aussi que, quand même, la vie, c'est pas gentil. Voilà. Hop, tout est revenu comme avant. On va tous se reposer. J'espère que ce sera la seule et unique fois que je ferai cette chose. En tout cas, je comprends un peu mieux. Je pense que je vais devoir un petit peu bouger les sorts de Kara. Suivez-moi. Mais je comprends mieux certaines choses. Du coup, on va pouvoir enfin avancer dans le jeu. Je vous remercie de votre intervention. Mais le danger n'était pas en lieu encore écarté. Vous devez m'escarter en lieu sûr. Oui. Allez, direction Beralia. Alors, allons-y. Ah bah, TP direct. Yes. Ah, vous avez bien agi, lieutenant.
Fielis est à nouveau sous notre protection. Au nom de Palivert, je vous félicite pour vos efforts. À présent que cette affaire est réglée, nous allons pouvoir tourner nos efforts vers les problèmes extérieurs au mur de Palivert. Les docks ne seraient pas si importants et tentants pour les voleurs si les routes commerciales autour du marais n'étaient pas si dangereuses. Et il y a aussi cette histoire d'émissaires d'eau profonde disparus. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne saurais souligner à quel point le commerce est menacé et cet émissaire disparu n'arrange pas les choses. De plus, si la situation continue de se tendre avec les Luscans, alors la rupture de bonnes relations avec Eau Profonde pourrait compliquer les choses. J'ai peur qu'il ait été attaqué par les tribus orques qui infestent la région. D'accord. Et l'émissaire ? Nous ne pouvons être sûrs de rien, si ce n'est qu'il n'est pas encore là. Pour des raisons de sécurité, Eau Profonde n'a même pas précisé l'itinéraire qu'il emprunterait. Nous avons d'abord soupçonné des bandits, mais les éclaireurs n'ont trouvé aucune trace d'attaque ou d'embuscade. Du moins, ceux qui sont revenus. J'ai peur qu'il ait été attaqué par les tribus orques qui infestent la région. Et qu'est-ce qu'on fait croire qu'ils ne l'ont pas déjà trouvé ? Les tribus font des demandes de rançon, et là, aucune exigence ne nous a été communiquée. Cela me mène à penser qu'ils ne l'ont pas capturé, mais cela pourrait changer. J'ai donc besoin que vous tiriez cette affaire au clair dès que possible. Et s'il est mort ? Si vous trouvez la moindre trace de l'émissaire d'Eau Profonde au fond à l'effraie, nous serons heureux d'avoir de ces nouvelles. Les relations commerciales et diplomatiques avec Eau Profonde sont essentielles, vu les problèmes que nous rencontrons avec Luscan. J'ai d'autres affaires pressantes. Revenez quand vous aurez trouvé l'émissaire d'Eau Profonde, et nous reparlerons. Bien. Eh ben écoute, madame, j'ai pas envie de continuer parce que ça m'a pris un petit moment pour trouver une solution. Eh ben écoutez, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette petite session qui s'est terminée un peu étrangement, mais bon. J'espère que ce sera la seule fois où je ferai ça. En tout cas, si ça vous a plu et que vous voulez savoir la suite de Brandy Black et de ses compagnons, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air, de commenter si jamais vous avez passé un meilleur, avec une meilleure stratégie. Qu'est-ce que j'ai ramassé sur elle, vite fait, que je regarde ? Ok, des choses que je ne sais pas, parce que je n'ai pas assez d'intel. Ouais, je n'ai pas assez d'intel. Merci à tous, un bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2.